Bonjour et bienvenue dans ce second vlog. Première chose, si vous ne me suivez pas sur Facebook, vous n'avez pas vu les dernières actualités, petit accident, fracture au niveau de la main, j'ai eu droit à une jolie broche qui passe à travers les os pour réaligner tout ça. Je n'ai pour quelques semaines avant la réopération pour retirer cette broche et encore quelques semaines de rééducation derrière pour récupérer la force dans la main. Donc il n'y aura pas de vidéo pratique tout de suite puisque je ne peux pas toucher de machine, je peux rien faire, c'est assez sensible et assez douloureux. C'est un peu plus embêtant par rapport à l'activité d'ébénisterie, mais c'est pas grave, on va s'occuper autrement pour pas tourner en rond. J'avais déjà ma petite idée, j'avais prévu de lancer un projet un peu plus tard, mais si vous avez vu sur la chaîne et sur Facebook les deux dernières vidéos passées qui étaient des teasers, des bandes annonces, je vais lancer dans le coup Memento, le travail du bois. Vous avez dû voir passer ça. Memento, c'est quoi? C'est simplement un échange entre vous et moi et entre d'autres personnes extérieures, on le verra plus tard. C'est un échange sur le travail du bois, donc. Et systématiquement, dans chaque vidéo Memento, vous allez retrouver des fiches techniques. Ces fiches techniques seront en téléchargement gratuit et sans inscription. J'insiste là-dessus parce que il n'y a rien de pire que de télécharger des choses gratuitement et de recevoir toutes les semaines des mails et des choses comme ça. Il n'y a pas d'inscription, donc ça, vous ne vous inscrivez pas, c'est en libre accès. Les liens qui seront dans la description renverront sur mon site internet, c'est pas le site d'un prestataire ou autre, c'est le mien personnel. Il n'y a pas de pub dessus. J'insiste sur le fait que ce soit gratuit, puisque Memento, ça m'est venu parce que quand j'ai commencé à travailler le bois, je cherchais des vidéos donc sur YouTube, j'ai regardé des tonnes de vidéos, et j'ai jamais trouvé d'exercices ou de choses, des choses pratiques, il y en avait plein, mais jamais de petits exercices à faire pour apprendre. Voilà, c'était des réalisations, des techniques. Certes, c'est intéressant, ça m'a appris énormément de choses, j'en apprends encore parce que je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, mais je me suis dit que ce serait sympa dans Memento donc de présenter plusieurs volets. Le premier, ce sera un volet avec des fiches techniques. Des fiches techniques qui seront réalisées la plupart du temps sous forme de dessins, comme celle-ci. Voilà, vous en aurez systématiquement. Ensuite, on passera à une partie avec des gabarits, donc des gabarits, présentation d'un ou plusieurs gabarits, sous forme de dessin aussi. Bon, à l'avenir, dès que la main sera rétablie, je vous les présenterai aussi sous forme de pratique, pour vous montrer donc la partie dessin, la partie pratique. Et la dernière partie, celle qui m'intéresse le plus, c'est des exercices pratiques. Les exercices, on commencera pas par des queues d'aronde, on va commencer petit pour apprendre progressivement. Donc le premier que vous verrez dans le prochain épisode, que je suis en train de terminer, je terminerai l'enregistrement vidéo juste après celle-ci. Après j'attaque le montage et la publication sera très rapide. Dans le coup, l'exercice, c'est un exercice simple au début, et puis voilà, on montera progressivement dans les difficultés. Je ne vais pas essayer de positionner telle ou telle machine, c'est pas le but. Le but, c'est d'apprendre. Par exemple, le premier exercice, vous aurez une démo. Alors, c'est là où j'adore YouTube. Mais non, je dis rien. Vous aurez une surprise au premier épisode de Memento. Alors, ne le loupez pas. Dans le coup, vous verrez plusieurs façons de faire pour réaliser le premier exercice. Et à vous de voir si vous êtes plus manuel, plus mécanique. Voilà. Vous verrez ça, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Donc j'espère que ce principe de Memento avec ces différentes parties, ces différentes fiches techniques vous plairont. N'hésitez pas à lire en commentaire et surtout à partager pour que un maximum de personnes puissent en profiter. Moi ça me fait plaisir puisqu'on est presque à 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Alors là je suis ravi, je suis aux anges. Là depuis quelques semaines on fait un bond dans les abonnés et ça n'arrête pas de grimper. Donc
Je suis vraiment content, ça fait chaud au cœur. Il y a de plus en plus de commentaires, de plus en plus de likes et de partages. Donc vraiment, j'adore. Continuez comme ça. N'oubliez pas d'ailleurs d'aller liker et partager celle-ci. Vous pouvez laisser un commentaire si ça vous a plu. Si vous êtes emballé par Memento, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça me ferait plaisir. Savoir si vous attendez peut-être plus de choses par rapport à ce que je vous ai dit ou des choses que je n'ai pas dit, que vous aimeriez voir, n'hésitez pas. Et après, vous verrez ce que ça donne au premier épisode. Voilà. Écoutez, pour le vlog, rien de plus. Dans l'atelier, il n'y a rien de nouveau puisque ça fait déjà 2 semaines que je suis immobilisé par ça. Et puis, on se retrouve dans quelques jours pour le premier épisode de Memento. Allez, à bientôt. Salut !